Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, Monsieur Youssef Dallal de la chaîne Je Connect TV. Alors aujourd'hui, on va voir un autre cours de communication progressive du français niveau débutant. Alors comme vous savez bien, ce manuel ou ce livre est destiné uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et aussi les adultes qui ont un niveau débutant de communication. Alors il vaut mieux de communiquer progressivement en français. Et bien sûr, avec 270 activités pour les aider. Alors, programme d'aujourd'hui, mes chers, c'est interdire, je crois, oui, c'est autoriser, interdire, côté renseigner, se renseigner, ça, c'est ce qu'on appelle le grand chapitre. Hein. Comme acte de parole, on a autorisé, interdire, et comme situation dans une station de ski. Et côté grammaire, c'est plus adjectifs et vocabulaire, ce qui piste. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous aimez bien ces vidéos sur notre chaîne, il vaut mieux de les partager partout dans le monde, que tout le monde doit tout simplement participer, s'abonner. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre des likes, des commentaires, comme ça pour qu'on puisse améliorer aussi les vidéos. Alors, page 44, oui. Alors, allons-y, page 44. Voici autoriser, interdire. Je vous demande tout simplement d'observer bien cette image. Il s'agit ici des stations de ski. Nous sommes en hiver, des vacances hivernales, c'est-à-dire des vacances d'hiver. Alors, il y a Virginie, Virginie avec son fils. Et voici l'employé et un dialogue. Son fils qui s'appelle Bastien. Bastien. Alors Virginie, avec cette carte, est-ce que nous pouvons, toujours lorsqu'on veut des informations, des renseignements, il faut poser des questions de cette façon. Est-ce que nous pouvons, est-ce que nous pourrions, voilà. Avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques? Voilà, regardons s'il vous plaît ici, voici les remontées mécaniques. Hein? Et on a plusieurs ici au sommet de la colline. Hein? Vous voyez, il y a des pentes ici. Bon, avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques? Oui, bien sûr, ce forfait vous permet de prendre toutes les remontées de la station. Oui, bien sûr, ce forfait vous permet. C'est ce qu'on appelle ici autoriser ou permettre. Oui, bien sûr, ce forfait vous permet de prendre toutes les remontées de la station. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche? Voilà, regardez ici un type d'avalanche. Hein. Ça veut dire la tombée de la neige. C'est très dangereux quand même. Alors, est-ce qu'il y a des risques d'avalanche? Oui, il est strictement interdit de faire du ski hors piste. C'est dangereux. Hein? Il est strictement interdit. N'oublie pas. Il est strictement interdit. Il est définitivement interdit. Alors, on continue. Bastien, le fils de Virginie. Maman, est-ce que je peux prendre la piste noire? Non, mon chéri, pas question, il est trop difficile pour toi. Alors, tout simplement ici, la maman refuse, hein, refuse que son fils prend la piste noire. Non, mon chéri, pas question, il est trop difficile pour toi. Tu peux prendre la rouge si tu veux avec nous. Est-ce que c'est autorisé de faire de la luge sur la piste verte? Oui, regarde, tu peux faire de la luge sur la piste là. Alors l'employé tout simplement répond gentiment comme d'habitude à chaque ou à n'importe quel cliente, ici Virginie, est venue comme d'habitude pendant les vacances d'hiver. Dans une station de ski pour passer de bons moments ensemble avec son fils qui s'appelle Bastien. Alors il pose des questions à l'employé comme l'exemple de est-ce que nous pouvons?
Répète avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons, voilà, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques? Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche? Bastien, son côté, bien sûr, pose la question à sa maman. Il dit, est-ce que je peux prendre la piste noire? Est-ce que c'est autorisé de faire de la luge sur la piste verte? Mais si, il pose la question à l'employé. Alors, c'est la même chose pour vous. Il vaut mieux de vous habituer à poser des questions à n'importe qui, et surtout à l'employé dans une station de ski, par exemple, de cette façon. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît, le dialogue. Avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques? Voilà, c'est très bien. Oui, bien sûr, ce forfait vous permet de prendre toutes les remontées de la station. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche? Très bien, oui. Oui, il est strictement interdit de faire du ski hors piste, c'est dangereux. Maman, est-ce que je peux prendre la piste noire? Non, mon chéri, pas question, elle est trop difficile pour toi. Tu peux prendre la roue si tu veux avec nous. Bastien encore. Est-ce que c'est autorisé de faire de la luge sur la piste verte? Oui, regarde, tu peux faire de la luge sur la piste là. C'est bien. Alors ici, comme résumé, on a déjà vu Virginie et son fils sont venus à une station de ski pour passer des vacances d'hiver, pose des questions à l'employé et ce dernier répond gentiment à toutes les questions. Maintenant, manière de dire, dans cette situation d'autoriser et interdire, est-ce que je peux? Moi, je pose une question. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que je peux? Est-ce que nous pouvons? Est-ce que c'est autorisé de? Mais est-ce que ça, cette façon ici, c'est un peu familier. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'il est autorisé de? Oui, il vaut mieux l'utiliser de cette façon. Est-ce qu'il est autorisé de? Alors répète avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que je peux? Est-ce que nous pouvons? Est-ce que c'est autorisé de? Ou est-ce qu'il est autorisé de? Il n'est pas défendu. Il n'est pas interdit. Voilà. Oui, tu peux. Oui, vous pouvez. Oui, cela vous permet de. Non, non, tu ne peux pas. Non, vous ne pouvez pas. Non, c'est interdit. C'est strictement interdit. Non, il est strictement interdit de. Non, pas question. Non, pas question. Alors répète avec moi alors. Est-ce que je peux? Est-ce que nous pouvons? Regardez ici, s'il vous plaît, la flèche, suivez la flèche, hein, suivez la flèche, nous sommes ici, hein. Est-ce que c'est autorisé de? Est-ce qu'il est autorisé de? Oui, tu peux. Oui, vous pouvez. Oui, cela vous permet de. Non, tu ne peux pas. Non, vous ne pouvez pas. Non, c'est interdit. Non, c'est interdit. Non, il est strictement interdit de. Non, pas question. C'est bien. Alors, oui, une manière de dire, c'est une façon de mieux apprendre les expressions pour mieux communiquer. Alors maintenant, grammaire. C'est il. C'est plus adjectif. Il est plus adjectif, plus l'infinitif. Par exemple, c'est interdit. C'est possible. C'est interdit. Ça veut dire c'est défendu. On ne peut pas. C'est possible. Ça veut dire on peut, tout simplement. Ce n'est pas facile. Ça veut dire c'est difficile. C'est dangereux. Ce n'est pas autorisé. Ça veut dire tout simplement c'est interdit. Voilà. On peut dire aussi il est plus adjectif, plus l'infinitif. Par exemple, il est interdit de photographier ici. Il est important d'avoir un équipement adapté. C'est interdit de stationner ici.
forme incorrecte, mais très courante. On l'a déjà vu, c'est interdit, et on dit « il est interdit ». Il vaut mieux d'utiliser « il est interdit de stationner ici ». Alors répète avec moi, c'est interdit ou c'est possible. Ce n'est pas facile, c'est dangereux, ce n'est pas autorisé, c'est défendu, ça veut dire c'est interdit. Il est interdit de photographier, il est important d'avoir un équipement adapté, c'est interdit de stationner ici. Vous avez bien compris maintenant comment exprimer, autoriser, interdire cette fois d'après cette vidéo. Vous pouvez, s'il vous plaît, vous abonner si vous aimez bien sûr ces vidéos sur notre chaîne GComicsTV ou cliquez sur le bouton like ou sur la cloche pour avoir de nouveautés à chaque fois. Alors maintenant, côté vocabulaire, s'il vous plaît. On a ici une liste de vocabulaire mieux d'apprendre aussi. Les sports d'hiver. Les sports d'hiver, ça, tout ce qui a rapport avec l'hiver, côté sport bien sûr, comme ski, une station de ski, faire du ski avec pas Y, Y c'est anglais, mais I c'est français, station de ski, faire du ski de fond, de la luge, prendre les remontées mécaniques, la neige est bonne, un risque d'avalanche. Une avalanche très dangereuse, surtout au pied de la colline. Prendre le remontée mécanique, la neige est bonne, risque d'avalanche, une avalanche dangereuse. Une piste bleue, rouge ou noire. Il y a des pistes. Tout ce qui est vert, tout ce qui est noir, non. Noir, c'est un peu dangereux. Bleu, c'est autorisé. Rouge, un peu. Vert, c'est beaucoup mieux. Faire du ski. Je fais du ski. Ça veut dire skier. Hors piste. Ça veut dire à l'extérieur des pistes. C'est dangereux. Un forfait. Ça veut dire une carte d'abonnement. Une carte ou un abonnement. Voilà tout ce qui a rapport avec la situation d'aujourd'hui. Alors, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On a déjà vu renseigner se renseigner, côté autorisé interdire, on a déjà vu ce qui se passe ici, dans une station de ski, il y a Virginie, son fils Bastien, qui se renseigne auprès de l'employé, tout ce qui est rapport avec la station de ski, voilà. C'était avec vous, monsieur Youssef Dalel. Je vous demande tout simplement de vous abonner sur notre chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur like sur les vidéos et de partager partout dans le monde pour que tout le monde puisse participer aussi. Alors, au prochain programme, qu'est-ce qu'on a? Côté renseigner, se renseigner. Cette fois, c'est vérifier. C'est côté 12. Acte parole, c'est vérifier. Comme situation dans une station balnéaire. Cette fois, balnéaire. Cette fois, on a déjà vu dans une station de ski, maintenant dans une station balnéaire. On va changer un peu la saison. On va voir maintenant la saison d'été, tout ce qui a à voir avec l'été. Alors, complément de nom, côté grammaire, nager, piscine, tout ce qui a à voir avec l'été, le soleil qui brûle au fond du ciel, c'est bien. Le ciel est bleu, voilà. Tout est bien allongé, tout est bien reposé, tout ce qui a rapport avec l'été dans une station balnéaire, c'est la situation que je vous propose pour la prochaine vidéo. Acte parole, c'est vérifier et le thème, c'est renseigner. Au revoir et à la prochaine.